Fino, réveille-toi, Fino. Allô, mon Fino, c'est fini. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Bonne chance de Métroville, rêvez, rêvez encore, et encore, plus vous rêverez, et plus le docteur Gang en profitera. Ah oui, ah oui, oh. Agent de MAD, au rapport. Mon rayon de rêve fonctionne parfaitement bien. Demain, tout le monde sera trop fatigué pour travailler. Ils voudront tous posséder notre fabuleuse machine à effacer les rêves. Merveilleux. Continuez, Spectrum. Quel type incroyable, Dépêchez-vous, espèce d'abruti! Tu vois, Matcha, personne ne peut me mettre de bâton dans les roues maintenant. Ils sont trop fatigués. La ville m'appartient. Tant que dans vos rêves, il vous est impossible de contrôler vos gadgets. Quoi? Oui, c'est ça, les gadgets agissent tout seuls. Oui, chef. Où êtes-vous? Nom d'un gadget. C'est bien moi, un gadget. Les gens trop épuisés avec ces cauchemars deviennent complètement stop. Fou, stop, soupçonnons complot de MAD, stop. Prudence, ce message s'autodétruira. À vos ordres, chef. Go, go, gadgetocopter. Ah, du lieb, mein liebchen. Gadget. Et voici nos informations régionales. L'épidémie de cauchemars ne cesse de tourmenter la ville. Le maire a déclaré l'état d'urgence. On ne peut joindre le gouverneur, il est saisi d'un profond sommeil. Mais nous avons peut-être un remède à ce fléau. Oui, c'est une superbe machine. Mesdames et messieurs, le docteur Spectrum vient d'inventer ce qui peut vous sauver tous. Vous la mettez près de votre lit. Il suffit de la brancher avant de vous endormir et vos cauchemars disparaîtront. Il nous en faut une, Fino. La disparition des cauchemars est garantie. Envoyez seulement 50 francs à Bob Bezbrouf à Bob Show. Oh, oncle Gadget, je t'en prie, on peut en acheter une. Mais pourquoi faire? On a déjà inventé le beurre. Et en plus, je suis en service. D'ailleurs, je vais commencer par une bonne sieste. La nouvelle machine à laver abîme le linge. Non, 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 pas de gadget. Oncle Gadget! Go, go, gadget au pistolet à eau. Tout va bien, oncle Gadget? Oui, oui, je te remercie, mais je crains qu'on ne puisse pas réparer cette lampe. Tu veux qu'on t'aide à réparer les dégâts? Non, pas le temps de faire du ménage. Il faut que j'aille au studio de la télé. Ils y parlaient de rêve, je crois bien.
Ce petit somme m'a fait le plus grand bien. Je me sens beaucoup plus en forme. Tu devrais le suivre, Fino. Il est trop fatigué pour avoir les idées claires. Quant à moi, j'ai de quoi m'occuper, je crois. Oui, c'est presque trop facile. Leur vrai cauchemar commencera quand ils se réveilleront. Hé, hey, vous avez laissé tomber un sac. Merci beaucoup, l'ami. Si on ne s'entraînait pas, alors la vie sera un véritable enfer. Je ne pensais pas que les studios de la télé étaient si loin. Monsieur, espèce de petit voyou! Je vous souhaite une excellente journée. Au studio, arrêtez-le. Avec grand plaisir, Docteur Gang. Occupez-vous des gadgets immédiatement. Ah non, il est l'heure de déjeuner. On n'a qu'à demander des heures supplémentaires. Mon expérience est d'une importance capitale. Pas question de l'interrompre. Bon, eh bien, je ne sais pas, moi. On verra ça après la pause, hein? Ah, voilà, c'est donc ça. Les rêves sont transmis par des ondes. Et ces ondes proviennent des studios de la télé. Mon Dieu, mais c'est là qu'est allé Oncle Gadget. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Go, go, Gadget au cou. Nom d'un gadget. Ça alors, je n'ai rien vu de pareil depuis que j'ai quitté la gadgeto-école. Eh, vous, l'ami, je crois que j'ai bien connu votre père. Yeah!
Nom d'un gadget, je me sens obligé de réparer cette machine. Oh, regarde dans quel état l'inspecteur a mis ma fabuleuse machine. Oh oui. Vous deux, occupez-vous de lui immédiatement. Bon, on n'a pas fini notre dessert. Mais ce n'est pas le droit. Allez-y. T'en fais pas, j'ai apporté une tarte. Peut-être que je peux la réparer. Finalement, c'est bien d'avoir un travail difficile à faire. Ça remet les idées en place. Il n'y a pas besoin de s'affoler. Ouais, à mon avis, ça va le refroidir un moment. Voilà, c'est réparé. Non, de gadget. Bien joué. Allez, écrase-le maintenant. Easy! Coucou, gadget au ressort! Easy! J'ai peut-être provoqué un court-circuit. Eh ben, pour un technicien de la télévision, vous n'êtes pas très soigneux avec le matériel. Mais, promets ça. Go, go, gadget au saut. Oh, je vous en prie, j'aime bien rendre service. J'ai toujours rêvé de voir un tournage de publicité. C'est tellement super, le show business. Gadget, attrapez-le! Il y a quelque chose de bizarre. Tout est devenu flou. On l'a eu! On l'a eu! On a eu le gadget! Oh, comme ils sont beaux, ces petits oiseaux! Bravo, bien joué! Ce fouinard ne nous embêtera plus à présent. Ça, je l'aurais parié. J'étais sûre que Mad était dans le coup. Oui, Docteur Gang, tout est sous notre contrôle. Maintenant, je peux le dire, nous avons eu Gadget. Parfait. Achevez-le. Je ne veux plus le voir. J'ai une nouvelle méthode scientifique à tester. Splendide. N'hésitez pas. Mettez la gomme. Oh oui. Il y aura encore plus de cauchemars. Encore plus de profit pour vous, Docteur Gang. Quel type incroyable, hein? Ils ont remis en marche une machine à rêve. Je n'ai pas de temps à perdre. C'est le commencement de la fin pour l'inspecteur Gadget. Très intéressant.
pas de gadget. Attrapez-le! Arrêtez-le, c'en est trop! Il faut absolument que j'arrête cette machine à rêve. Bon, je sais qu'elle est au sous-sol. Qu'est-ce que tu fais là? Va vite aider oncle Gadget. Moi, je vais essayer d'arrêter le générateur de rayons à rêve. Vas-y seul, je ne peux vraiment pas t'accompagner. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu l'heure qu'il est? Alors, tout se déroule comme prévu, Docteur Gong. Je peux même vous dire que... Tout est sous notre contrôle, pas de problème. Ce soir, Metroville connaîtra le plus grand cauchemar du monde. Je l'espère. C'est dans votre intérêt, bande d'abrutis. Esbrouf, augmente la puissance. Oui, alors, avec un peu de puissance, on a peu de cauchemars. Mais alors, avec beaucoup de puissance, on a beaucoup de cauchemars. Oh non. La surcharge a bloqué le système. Je ferais bien d'appeler le chef Gontier. L'augmentation de puissance rend l'atmosphère brûlante. J'ai intérêt à sortir de là. Ton passage secret. Je me demanderai longtemps comment vous avez fait, Gadget. Ça, je ne sais pas. Ça ressemble étrangement à un cauchemar. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Tu ne t'en tires pas mal, Gadget. Mais attention. La prochaine fois que tu seras sur mon chemin, je triompherai. Tu as bien dormi cette nuit, oncle Gadget? Oui, Sophie, très bien. Fini les cauchemars. Hein? Qu'est-ce que c'est? Non, oncle Gadget! Tu as raison, Sophie. Il ne faut jamais toucher le grille-pain avec du métal. On peut prendre une décharge électrique. Vas-y, mange, Sophie. Ils sont exactement comme tu les aimes.